avec ce petit soleil dans la tête là. C'est beau comme ville. On a la fine. Voilà les padelistos, on se retrouve à Göteborg pour ce deuxième tour, ce huitième de finale qu'on va jouer avec mon philo. On a gagné notre premier tour, notre 16e de finale, 7-6 au DER. J'espère que vous avez vu ce match complètement incroyable. Huitième de finale contre normalement la tête de série 8, qui sont presque les favoris du tableau. Très très bien joué. Aujourd'hui, on a joué tout à l'heure notre premier tour. On va regarder un peu les copains jouer. Il y a pas mal de Français ici. Bien se reposer parce que match 8e de finale demain matin. Je connais pas trop le programme. Le style claquette chaussette, les gars. Une note sur 10 peut-être. Faut que je vous montre quand même ce club draw là. C'est quand même assez incroyable. Hein. Avec une régie. Bon, c'est pas Julien Serin-Padel ici. Hein. Il y a un nombre de terrains incalculable. Regardez où ça va. Regardez où ça va. Ça va très loin. Il y a une hauteur de zinzin. Et là, salle de muscu. Là-bas, il y a des bains froids, des vestiaires, douches, enfin bref, il y a tout. Ici, vraiment, c'est une condition parfaite, les gars, pour jouer. Allez, Wendy. Bien, bien, chicas, bien. Allez, on amasse. Oh là là. Non, mais non, 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 non. En sieste, mon philo. Là, quelques minutes à frapper. C'est pas pour dire des heures. Allez, bonne nuit. Tiens, philo, je pense qu'avec un bon angle, tu peux le recevoir. T'es prêt? Oh oui! Pas mal celui-là. Non, ça a pris quoi? Plein miroir. Plein miroir. Plein miroir. Et après, tu. Waouh! Putain, les pecs qui se développent, hein. Alors là, Philou, je dois dire que je suis subjugué. Alors, ta qualité de récupération. Je suis vraiment devenu professionnel. Tu nous as fait du vélo tout à l'heure. Vélo. Sieste. Sieste. Jambes en l'air. Et dans la douche, il y a eu l'eau froide avant le chaud. Il y a eu l'eau froide dans la douche. C'est grand niveau. C'est grand. Ah bon, Philou. Parce qu'il fallait que je gagne, c'est mon pote. Je suis très content qu'on gagne Sophie Price ensemble, du coup. Oh non, c'est pas de moi. C'est... Ouais, avec ce petit soleil dans la tête là. C'est beau comme tout. T'es beau comme tout, ouais. De la tête aux pieds, quoi. T'es bien habillé par exact de la tête aux pieds. Merci. Tu es à domicile là. C'est vrai que t'es à domicile. On traverse comme des Parisiens. Ouais, t'es un peu Parisien aussi. Oui, non plus. Waouh. Waouh. On bipera, pas de monteur, tu bipera. Voilà, c'est très bien là, mon philo. Allez, fais tes courses. On mange quoi ce soir? Très belle salade de riz. Ah, la base. Très bien, allez, c'est parti, salade de riz. Ça va le goûter, mon philo? Raisin, avec évidemment la touche chocolatée. Smoothie. Et là, pain, bûche de chèvre. Et là, pff, on est comme des gosses, là. Comme des gosses. Bon, l'équipe, fin de cette journée, je finis de me tirer tranquillement. Wow. On a reçu la prog très très tard, on vient de recevoir à l'instant. On est du coup en deuxième rotation à partir de 10h, comme Carla, comme Dylan et Bastien, tous en même temps. J'aurai Carla à ma gauche, Dylan à ma droite, parfait. Du coup, ça va faire un réveil vers 9h, arrive au club pour 10h. Allez, je finis ça et je vous souhaite une bonne nuit. Hop là, celui-là on va pas se régaler. L'équipe, on est arrivé au club, vous l'avez vu. Enfin bon, petit déj, c'est sympa, bien dormi là. Je me sens en forme, c'est cool. On a un énorme match. La tête de série 8, mais qui sont sous-classés à la FIB, vous savez, avec l'ancien circuit World Padel Tour, le nouveau circuit FIB. En fait, eux, ils avaient beaucoup joué sur le circuit World Padel Tour avec peu de points FIB. C'est pour ça qu'ils sont que tête de série 8. Mais sinon, bah, c'est les favoris du tournoi presque. Sur World Padel Tour, c'était 70 et 80 mondial. Donc, c'est des mecs qui sont très forts, hein. Clairement, on va pas se cacher, mais ils ont gagné en 3-7 hier, comme nous. Donc voilà, forcément, on y croit, on joue sur le même terrain qu'hier. Une moquette plutôt lente, beaucoup de hauteur, les vitres très propres, conditions de rêve, voilà. Je vais m'échauffer tranquillement, il y a le premier set qui vient de se terminer avant nous, et après, on va y aller, les gars. Donc, n'oubliez pas, comme d'hab, le petit like, c'est très important. Ça permet vraiment de développer la chaîne, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Vous serez au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez même activer la petite cloche pour recevoir une notification. Et je vous souhaite un très bon match. Mucho. Allez, les bleus. Hein. Regina, on a la fine.
Et c'est invivable. C'est beau ce que je fais. Dessous des partenariats. Allez, début de ce huitième de finale contre deux très jeunes joueurs d'ailleurs qui sont champions du monde en équipe jeune. Donc voilà, c'est l'avenir du padel mondial, de joueurs qui jouent très très bien, qui ont été top 80 sur World Padel Tour, qui commencent le circuit FIP, mais c'est clairement pas la meilleure tête de série à prendre. On savait que ça allait être un super match. On voulait prendre beaucoup beaucoup de plaisir dans cette partie, évidemment, on y croyait fort. En tout cas, on perd ce premier jeu de retour et on a 40-30 sur notre jeu de service. On est encore en train d'essayer d'apprendre un peu à les connaître. Voilà, c'est deux droitiers, un joueur de droite qui peut bien taper quand il est bien placé, et un joueur de gauche qui peut faire tout et n'importe quoi. Il tape très bien, des fois il fait des vibora à 10 000. Un peu foufou quoi, un petit jeune un peu foufou quoi. En tout cas, on gagne notre premier jeu de service aussi et on se retrouve à 1 partout, 15A, et très beau contre ce match de mon filou. Voilà, 30A dans ce jeu, point déjà important. On peut leur mettre une petite pression ce début de match. On est plutôt bien rentré dans la partie. Voilà, on essaie de se projeter vers l'avant. Allez mon filou, c'est dommage, ça remonte un peu. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais on est vraiment pas mal. 40-30, balle de 2 jeux à 1 pour eux. Ouais, c'est bien, essayer de les faire jouer haut sur leur volet de revers pour ensuite avoir une balle qui remonte un petit peu et pouvoir sortir un gros lob. On rappelle qu'il y a énormément de hauteur, que c'est pas évident de faire sortir la balle et de faire des smash gagnants. Ouais, il va tenter, ça va pas sortir. Vraiment utiliser cette hauteur à fond, c'est toujours beaucoup plus difficile d'aller smasher une balle qui arrive de très haut plutôt qu'un lob tendu. Elle va sortir celle-là. Oh là là, quelle sortie adverse exceptionnelle. Et attention, et oui, c'est le gros danger quand il y a sortie autorisée, les par 3, bah forcément si l'adversaire l'anticipe, le contre en par 3 peut faire vraiment très très mal. 2 jeux 1, on file monstrueux sur ce petit passing et ça va être gagnant. Et bravo. Et on arrive à recoller à 2 jeux partout. 30A une nouvelle fois sur leur service. Voilà, on leur met une nouvelle fois la pression. On a des occasions en ce début de partie. Ce serait bien de concrétiser. Allez, mon jus. Oh, ça va. Oh, ça va pas sortir. C'est dommage. C'est là, je dois la faire sortir, surtout à 30A. C'est pas mon point fort, mais vraiment, j'ai progressé là-dessus. Je sais que je peux le faire. Et là, je finis par cette bouse dans le filet. Horrible, 40-30. Aussi une fois en haut. Ça va sortir, c'est très très bien tapé, bravo. C'est très bien tapé, 3 jeux à 2 pour eux, toujours pas de break dans cette première manche. 35 sur notre service, le retour qui est bon. Et Philou qui fait une barada complètement monstrueuse et ça nous permet de revenir à 3 jeux partout, 15A. Sur le service du joueur de gauche. Allez mon jubatois, elle est belle. Et oui, elle est belle sur la volée haute de revers, 15-30, une nouvelle fois, on leur met la pression au retour, malheureusement. 30A, vraiment ce point. Voilà, vibora monstrueuse. Oh, quelle défense de fil. Oh là là là. Oh, c'est monstrueux. C'est monstrueux, s'excuse un peu. Mais c'est très très bien joué. On aura nos deux premières balles de break, les gars. 3 partout. 30-40. Fil qui retourne, c'est un petit peu court. Allez. Ah, c'est dommage, c'est bien tapé. Le retour qui est un tout petit peu court, il a voulu privilégier la hauteur. Et attention, Punto de Oro. Je décide de retourner, le retour est très bon, lob tendu. On fait jouer avec les vides, c'est bien joué. Voilà, on garde le filet. Le lob en face qui est très bon. Attention, il va rentrer en coup droit. Ah non! Eh oui, je crie. Ah, c'est dur, je dois rester au fond. Je le vois avec son coup droit, je sais qu'en plus il a un très très gros coup droit, je dois pas venir remonter. Faut pas aller chercher le filet à tout prix quand on est en mauvaise position. Des fois, c'est mieux de rester au fond et je dois clairement rester au fond. Attention, on a 30A sur notre jeu de service. Tout de suite, la pression qui est maintenant sur nos épaules. Attention, ça flotte. On garde encore le filet. Allez, mon filou. C'est bien joué, ça. C'est bien joué. Et 40-30. Deux petites balles pour revenir à 4 jeux partout. Il va taper. La feinte, elle est belle. Ouais. Le joueur de droite en volée de coup droit qui se fait jamais avoir. Et là, c'est de ma faute.
Et là, c'est clairement de ma faute. Je dois venir couvrir Philou qui forcément prend la sortie. Moi, je dois rester à l'intérieur et couvrir. Bah voilà, si jamais le parcours sort pas. Oh, c'est défendu. Je pensais vraiment que c'était gagnant. Et on a Punto de Oro, les gars. 3, 4, Punto de Oro, point extrêmement important. Et malheureusement, ce match. Ouh, l'énervement, ouais. Ça fait 2-3 points que je rate. Que je rate vraiment bien. Qui nous met des points importants. Qui nous met vraiment dans la sauce. Et malheureusement, un peu de frustration là. Après ce match qui remonte beaucoup. Et malheureusement, 3 jeux à 5. Hein. C'est eux qui ont fait le break en premier. Ouais. Cette volée qui flotte un tout petit peu et ouais, ils en profitent. 40-30, 2 balles de 7, 2 balles de première manche. Vous avez vu comment ça se joue à rien là. On a eu plein d'occases. Et très belle avec l'aide de la bande. Et Punto de Oro, on peut revenir dans cette première manche. Et malheureusement, ça va sortir. C'est dommage, très mauvaise gestion des points. Des points importants à 30A, à 30-40, à 40A. On les prend pas ces points et eux les prennent à chaque fois. Ça fait 6-3 quoi. Ça fait 6-3 alors que vraiment dans cette première manche on est au coude à coude, si ce n'est qu'on a eu plus d'occasions. Incroyable, comme quoi les gars, les points importants, surtout avec Punto de Oro, c'est tellement important justement. Et eux on l'a vu à chaque fois que c'est un peu chaud, on est un peu au coude à coude, tout ce qui est 30A, 30-40, 40, 30-40A, eux la jouent très très simple, ils nous obligent à faire le jeu. Allez, un jeu partout. 15A sur mon service. Bien entamer cette deuxième manche. Essayer de se procurer des occasions dans un premier temps. Et ensuite, oh là là, dans le dos, c'est monstrueux. Et ensuite, les concrétiser, ce serait bien. Oh là, ce match qui est complètement monstrueux. Et attention, 15-30, premier danger. Et mon jeu, c'est un petit peu court. Tout de suite, il la fout dans les pieds. Il va se projeter au fil à une vitesse. C'est complètement monstrueux, hein. Le joueur de droite là qui, chaque fois, voilà, c'est... Ouais, elle est très très belle celle-là, encore une fois, dommage mon Philou, quel plongeon magnifique. Et 15-40, 3 balles de break directement pour les adversaires. Allez mon jus, attention, ça va remonter beaucoup, ça faut être vigilant. Oh là là, elle est très très belle celle-là. Ouais, encore une fois, hein, c'est des smash que je fais remonter beaucoup trop à ce niveau-là, ça pardonne pas. Hein. Les lobes sont bons, c'est sûr, mais je peux faire mieux. Merci pour cet amorti, hein, Josa. 3 jeux à 1 pour les adversaires. Là c'est dur, ils ont clairement pris le dessus. Oh, Philou sur la vitre du fond. Philou King qui fait le show et 40-0. Les balles pour revenir à 3 jeux à 2. Allez, tire, tape plutôt. Et c'est gagnant. Allez, on reste au contact, un seul break dans cette deuxième manche. Ils s'en sortent très facilement ensuite sur un jeu de service, c'est pas du tout bon signe. On est à 4 jeux à 2 et attention, 15-30 sur notre jeu de service. Vous avez vu, il nous faut tout le temps jouer une balle de plus et ça, c'est gagnant. Allez, allez, c'est bien, on sert le point. Attitude, on y croit encore. On y croit encore. 30A. Restez encore une fois au contact. Et mon jeu, ça va beaucoup remonter ça. Heureusement qu'on est vigilant. Belle celle-là, elle prend la latérale, c'est bien joué. Allez mon Philou. Philou qui va taper. Ah c'est dommage, c'est mal tapé. C'est mal tapé, on aura le droit à 2 balles de double break. Ah ça se complique les gars. Ça se complique. Allez mon jeu. Allez, pas donné. Allez, on fait travailler. On récupère ce filet. On attend la balle. On attend la bonne balle. Allez Philou. Ça remonte, c'est bien, vigilant derrière. Allez, une nouvelle fois, la petite grille. Oh là là, mais quelle défense en face, une nouvelle grille et c'est enfin gagnant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner les points? C'est quand même complètement monstrueux. Je sais pas si vous vous en rendez compte, les gars, en face, mais ça joue vraiment très, très, très bien. Et Punto de Oro à 4 jeux à 2, point extrêmement important pour rester en vie dans ce match. Et Philou qui fait le taf. Voilà, encore une fois, mais quelle défense, le lob dans le dos là, encore une fois. C'est monstrueux. On récupère, hein, ça va pas passer. Hein. Allez, mon Philou. Allez. Oh là là, la volée, volée. Allez, touche là. Niveau. Allez. Oh. Oh là là là. Quelle défense exceptionnelle.
qui vient prendre le coin de l'autre côté qui est bonne et qui nous permet de rester à moitié en vie dans ce match là. Quel point, on est obligé de sortir Philou, défense de King hein. Pour rester dans ce match, les mecs, vraiment là c'est du très très costaud les gars. Mais on se retrouve à 31 hein, sur leur service. Et ça va sortir, on aura le droit à 2 balles de débreak les gars. Et oui, 30-40. 2 balles de débreak. Après ce sauvetage in extremis de Phil sur le point. Oh, il a espacé. Allez mon Philou. Allez encore. Allez, la feinte au milieu. Allez, mon jeu. Oh, c'est dur. Il nous fixe extrêmement bien. On sait jamais s'ils vont rejouer en bas, s'ils vont rejouer en lob. Et de le double lob de suite. Allez, on va pas les faire. Oh, vas-y, rentre très très bien en coup droit. Oh là 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 là. Ce coup droit là, le joueur de droite, c'est quand même irréel, c'est monstrueux. Et Punto de Oro, les gars. C'est maintenant qu'on peut revenir dans ce match. C'est bien retourné. Attention. Oh, c'est dur. On subit. Allez. Mais oui, on subit beaucoup trop. Ah, c'est dommage. Il y avait peut-être moyen d'aller sortir un lob là. Sur le deuxième coup, et malheureusement 5 jeux à 3, encore une fois, ça se joue à des détails, les gars, et on est mené 6-3, 5-3. 30 sur notre service. Ça va sortir. Oh, la sortie de mon Philou. Oh, le plongeon. Oh, c'est exceptionnel. Pour encore une fois, exceptionnel. Allez, ça va flotter, ça reste dedans. Et bien joué celle-là. Oh là là, quel coup de patte. Et oui, monsieur. On le prend ce point. On se retrouve à Punto de Oro une nouvelle fois. Significatif de balle de match. Hein. Allez, Philou. Allez, ça va pas sortir. Oh, ça prend le filet. On va tourner à 5 jeux à 4. Pourquoi pas? On a eu des balles de break juste avant. Malheureusement, directement 30-0 sur leur service. C'est bien joué. Vous avez vu à la vitesse à laquelle, oh là, la vitesse à laquelle il avance à droite. C'est impossible de lui faire une chiquita côté coup droit. C'est monstrueux, droit. Puis celle-là, elle est encore très bien jouée. Ah oui, bah oui, c'est très très solide. C'est très 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 solide. 40-0, 4 balles de match, les gars. Allez, mon Philou. Bien, mon Philou. Très bien contré. 45, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh mon jeu, tu tournes. Ah, c'est un peu court. Ah oui, ça va être fini. Et c'est fini, les gars. Défaite 6-3, 6-4. Et vous l'avez vu, ça se joue à des détails. On a des occasions, malheureusement, on n'arrive pas à les concrétiser. Ça fait une défaite assez sèche après sur deux très très bons adversaires. Un grand bravo à eux. Alors. Il y a les Suédois, 10 commentateurs, 10 télé, piste centrale. Et puis il y a nous, fond du jardin, mais, avec les deux commentateurs de luxe. Je pense vraiment que c'est un match à leur portée. Alors c'est deux mecs qui sont forts, mais je vais être assez sur ça. C'est beau les Dalton. Je suis déçu de moi, putain. C'est pas du tout la partie que je voulais faire. Enfin, bon, j'imagine que vous l'avez vu. Je suis déçu de mon niveau de jeu, déçu de mon intensité, déçu de mon attitude plus que tout. J'étais frustré tout le match, je me suis énervé, ça m'énervait de m'énerver. Enfin, mentalement, j'étais pas du tout. C'est dommage parce que j'avais des bonnes sensations hier. Je me suis dit qu'on pouvait faire un bon match là aujourd'hui. Pour 70 et 80, donc c'est des mecs vraiment forts et on a plein d'occasions dans le premier. On a 30 à tout le temps en retour, on fait jamais. Je lobe court, au-dessus de la tête, je me prends la tête alors que c'est censé être mon point fort. Il y a beaucoup trop de hauteur, je me rends compte qu'il y a beaucoup de hauteur comme ça. Je sais pas trop quoi faire quand on va pour juste qu'on garde le filet sans pour autant sans vraiment faire mal si le lob est bon, mais qu'on puisse garder le filet dans de bonnes conditions. Quoi. Mais ce match remonte beaucoup, tout ce que je fais ça remonte. Je rate un peu en plus, enfin vraiment... C'est chiant, mais c'est à l'image de ce que je fais là, depuis 2-3 semaines. Je m'entraîne pas très... Enfin, j'ai pas un très bon niveau de jeu à l'entraînement. Je sais pas, il y a un truc qui va pas là depuis 2-3 semaines. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Niveau paddle, c'est compliqué là, les gars. C'est vraiment compliqué. Je pensais que la victoire d'hier allait me faire du bien, que ça allait bien me relâcher, mais... Manque de confiance générale, quoi. Je le sens dans tous les moments un peu chaud, moment important. Dès qu'il faut un peu déconnecter le cerveau, le poser et venir avancer, jouer vite, ben, je le fais pas. Je retiens, j'ai peur un peu...
Et bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, ils ont bien joué, mais ouais, au final, fait 3 et 4, alors qu'on a plein de cases, on a des balles de break, on est à 30 à tout le temps. Enfin, pas, on va continuer, on va trouver des solutions, on va chercher, les gars, il y a que ça. Et ça va tourner. Faut en être conscient. Mais là, c'est pas facile, mais surtout l'entraînement, c'est vraiment dur. Enfin bon, les gars, j'espère que vous avez quand même kiffé ce tournoi. Au final, on prend 2 points chacun avec Philo. Alors, c'est un peu compliqué cette année, parce qu'en gros, les points qu'on avait en décembre 2023, j'avais un certain nombre de points, une centaine, ils ont été divisés en 50, 2 fois 50, en gros. Et toutes les semaines, cette année, depuis mi-janvier, donc il y a 50 semaines jusqu'à la fin de l'année, toutes les semaines, on perd, enfin moi je perds dans mon cas, 2 points par semaine. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le mec par exemple qui a 1000 points, on les divise par 50 et il va perdre 20 points toutes les semaines, quoi. Et c'est ça en fonction du nombre de points que tu avais en décembre. Donc c'est très compliqué à gérer. Au final, bah, cette semaine, je vais juste pas perdre 2 points, mais bon. La majorité de ceux qui sont devant moi vont en perdre s'ils n'ont pas joué, donc c'est assez complexe. Donc, peut-être que je vais gagner quelques places, peut-être pas, c'est pas hyper important. Là, on a pris du prize money en fait. Philou, tu sais combien de prize money on a pris? 98€. On a pris 98€. On est riche. Et en dépenses, on a fait quoi? 140€ d'hôtel chacun. Aller-retour, moi j'ai payé 150. Avec la bouffe en plus, on va être à moins 500, un truc comme ça. Et peut-être moins 400 avec le prize. Ouais, après quelques Uber et tout. Donc. Ah ouais, ouais. Moins 500 peut-être. Moins 500 pour 2 points. Enfin non, du coup, pour 0. Vu que moi je perds juste pas mes points. Non, tu peux pas foutre comme ça. On peut pas penser comme ça. C'est impossible. Je me dis que je prends 2 points et que les autres prennent pas. Bon, en tout cas, l'équipe, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bisous, mon filou. Adieu, à dans 3 mois. Attends, j'ai pas annoncé, ça se trouve, on joue le tournoi la semaine prochaine. Merde, pardon. Allez, ciao, ciao, les gars.